On va se relancer sur Zelda. Mais d'abord, pour consolider ma stratégie, je vais aller voir où est-ce que je peux trouver des fées à mettre dans ma bouteille. Les petites fées. Une grande fée, c'est pas ça que je veux. La fontaine des petites fées. Ok, au sud-est du palais de l'Est. Bon, il m'en faut que deux. Les petites fées au sud-est du palais de l'Est. Donc ça doit être en bas à droite de la carte. En bas à droite de la carte. Alors, lançons tout de suite le jeu. Là, j'ai un bordel de câbles sur ce bureau. Tout bonnement incroyable. Alors. Ah, ok, on y va. Ah oui, mais. Pour l'instant, mission capturer les petites fées. Donc, on va tout de suite commencer avec un coup de miroir pour se barrer de cet endroit de mort. Ah non, des voleurs. Bande de connards de voleurs de merde. Comme dans Quel le survivant. Alors, on est parti chercher des petites fées. Au palais de l'Est, au sud-est du palais de l'Est, ça doit être genre là. C'est exactement ça. Prenons notre plus beau filet à papillons. Capturons des petites fées. Je la mets dans un flacon. Ah non. Oh, moi aussi, il y a ma full life. Attends. Je la mets aussi dans un flacon. Donc maintenant, j'ai deux fées dans un flacon. Hop. Ah, tu refais la petite musique. Non, non, non. Je t'assure, tu te trompes. Tu as fait Ken le survivant qui nique des trucs. C'est exactement ça. Et si tu penses le contraire, eh bien tu as tort. Coup de laser dans ta gueule. J'aimerais bien de la magie aussi, ça serait bien. Ma vie serait plus belle si j'avais un peu de magie. Normalement, j'ai laissé mon merdier par là. Ah non, c'est la fausse épée, j'ai laissé juste au-dessus. Dribble! Allez, je t'ai esquivé. Ah bah tu vas moins me voler mes trucs là, hein. Regarde-moi ce connard là.
Même pas foutu de traverser les arbres. Putain d'enculeur d'arbre. Donc là, c'est comme si j'avais 3 barres de vie, grosso modo. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je reste zen. Je reste zen. Je reste frais, je m'énerve pas. On va le niquer, ce donjon de ses morts. Comme dirait un ami à moi qui est aussi poète à ses instants, on va lui faire la rondelle margarine. Ça va prendre 1000 ans, mais ça va marcher. Oh putain. Bon bah à force, je vais être full magie, hein. On va le boomerangifier. Alors des fois ils se prennent pas forcément le dégât du coup d'épée. Ah oui putain, j'ai pensé derrière lui. Voilà. Voilà. Le ménage a été fait. Bon, j'ai pas beaucoup de magie, mais c'est pas grave. On va beurrer la non-magie. On va beurrer le coup d'épée dans la face. Ok. J'ai merdé à mort. Putain. Le con du cul. Je crois qu'il y a un PV là. Ah non, c'est une magie qui traîne. Ok. Et donc là. Merde. J'ai mis toute ma magie dans le parquet. Pas grave, reste frais. On s'énerve pas. Et là, petite fée. Bloup. Rends-moi des PV, petite fée. Bon, on n'a pas mis full life, mais ça suffira. Si ça suffit pas, je vais être très très dégoûté. Twink twink, twink twink. Parce qu'il va falloir que je refasse l'aller-retour. Et j'aurais dû complètement faire un safe state.
Ah oh, putain! Vas-y, mais il a combien de PV ce boss de merde là? C'est insupportable, je suis venu avec 3 barres de vie, ça ne suffit pas à le tuer. Peut-être qu'à un moment, le mec qui a designé ça, il aimait pas les jeux vidéo aussi. Ok, si je me mets là. Voilà. Hop, le pigeon kamikaze. 1, 2, 3, c'est parti. Dribbler toi, mais n'empêche, les mecs derrière leur village ils ont juste la putain d'épée Excalibur qui est plantée dans un caillou et genre les gens ils sont là, ouais c'est normal, on n'y touche pas. Ok gros. Mais vas-y! Je bourre le coup d'épée, mais non. J'en ai plein le cul. J'en ai plein le cul. De la vie, c'est pas vraiment ce que j'aurais voulu. Dans un monde idéal, j'aurais préféré qu'il me drop la grosse magie. J'ai pas du tout assez de magie pour tenter le truc là. Oui. Merde. Oh, c'est pas ce que je voulais faire. Non, je me fais choper exprès pour refaire un tour. Oui, j'oublierai pas de save. Oui, je t'entends, tu fais du bruit, c'est bien. Alors, en plus, techniquement, c'est pas tout à fait une save, c'est une save state parce que je joue dans l'émulateur. Donc du coup, la save state, c'est vraiment une sauvegarde de l'état de la console à l'instant où tu fais le truc. Donc c'est vraiment une photo, tu vois.
Oh, ils m'ont lâché une petite magie, yes. Alors, je refais le tour, voilà. Là, je suis presque full magie. Là, on est bien. Je déteste cette salle, mais genre tellement de tout mon corps. Lol, troll, 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 troll. Voilà, déjà on va save ici. Ça ne sert à rien. Hop, je save. Je vais essayer d'arriver full life. Oui! Oui! Quoi? Non mais... Tout le temps je me fais spammer par des pubs. Tac. Ok. Là, on est bien. Full life. Je vais être full magie en prenant ça. Je vais même re-sauvegarder là. Voilà. Et là, ça va chier. Là, on est en route pour casser des culs. Je me suis fait tellement troller par le tapis. Oh putain. Allez la petite fée là, fais ton boulot. Oh, ces petites étincelles mignonnes qu'elle te crache dessus quoi. Allez, gratuit. Instades. Non, non, mais... Non, non, tu ne touches pas l'écran. Là, là il se passe des choses, là. Ah. Tiens. Pute. T'apprécies? Moi, j'aime beaucoup ce qui vient de se passer. Merci. Connais-tu la prophétie du grand cataclysme? Oh bah super, c'est rassurant. Voici ce que j'en ai entendu. Si une personne au cœur diabolique s'empare de la Triforce, un héros apparaîtra. Comme c'est pratique. Et lui seul pourra affronter celui qui a provoqué le grand cataclysme. Si ce démon détruit le héros, rien ne pourra sauver le monde de son règne satanique. Et qu'est-ce que Satan il vient faire là-dedans? Seul un des descendants de ce chevalier d'Hyrule, le défenseur du royaume d'Ilia, peut devenir le héros. Tu es de leur sang, n'est-ce pas? Alors tu dois sauver Zelda à tout prix, tu as compris? Non, ça n'a pas de sens, mais je vais mettre oui parce que je veux pas me retaper le dialogue. Puisse son chemin mener le héros à la Triforce. Ouais, yeah, c'est pas trop tôt, comme on va dire. Alors. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on aille... au petit cristal qui est marqué numéro 4, donc celui du village juste en dessous. Ça tombe bien, c'est pas loin.
Cette forêt, c'est de la merde. Putain, mais le mob de base, il te fait perdre 2 cœurs. Obligé de repasser par les salles affreuses du donjon de merde. Pour sortir de cette forêt qui pue de la gueule, quoi. Ah. J'en ai plein les fesses, pour être poli. Tiens, mais va-t'en, espèce de poireau disgracieux. Sympa la déco. Alors. Non mais. Oh là là, quelle horreur. Ah merde, mais c'était une des poules, fallait pas la taper. Tant pis. Oh, je peux pas passer là. Passer là. Je peux passer là. Tout ça pour aller au même endroit. C'est génial. Du coup, le temple ici, il est dans la statue. Et normalement, je pense qu'on a ce qu'il faut pour y aller. Je possède du sel en quantité suffisante pour tous les donjons. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Ces trucs de merde qu'on peut pas taper. Ah non, mais ça, c'est pas un truc qui te... Si, ça te transforme en lapin, c'est bien ça. Pourquoi je l'ai pris en sachant ce que ça allait faire? What the fuck, la porte elle a mis 1000 ans à proc. Non mais oh là là. Oh non mais c'est infernal. Je veux que ça s'arrête, j'en ai déjà marre. Please, please stop. Pas la grosse clé. Ok. Donc là, il me dit que depuis ici, comme ça. What, il y a un passage pour monter. Oh, il est de l'autre côté. J'ai vu le truc. Attends, par où je peux passer pour aller là? Aïe. Mon cul. PV, donjon de merde. Eh oui, je peux pas passer là. J'encule des caisses. C'est affreux. Je veux que ça s'arrête, hein. Allez, il y a une fée là-dedans, je vais reprendre toute ma vie. Bah non. Alors, on va y voir la carte. A priori, je peux retourner dans la pièce de gauche. Oui, je peux aller au coffre. Puis ça sent pas du tout le piège, c'est ça qui est bien. Merde. Faudrait que je retourne dans la pièce en face. On va essayer de voir jusqu'où on peut avancer.
Non, mais si, je suis obligé d'en faire le tour. Je suis niqué. Qu'est-ce que tu fais, Sora? Tiens, connardo! Qu'est-ce qu'on a là? Génial, 3 rubis. T'as le coffre vaut plus cher que son contenu, s'il te plaît. Non! Ah! Non, stop! Stop! Please! Please stop! Ça va, toi, tu vis ta meilleure vie à tourner. Comme un connardos là autour de la truc. À tout! Ah merde, j'ai raté. Ah mais si, du coup, je sais où ça va. Parce que là. Ah non. Ouh, c'était prévu. C'était full prévu. Et si tu dis le contraire, c'est que t'es une mauvaise langue. Elle est géniale, cette salle, avec du rien. Je suis un lapin. J'avais vu ça. La grosse clé. Alors, la grosse clé de mémoire, vous pouvez s'en servir pour aller dans la salle du dessus, en haut à droite. Gotta go fast, gotta go fast. Ce donjon, il est vraiment trop cool, je m'amuse comme un petit fou. Alors, vas-y, traverse-toi, va faire chier d'autres gens. Une petite clé. Je crois que là c'était fermé. Allons voir là. Ah ben je retrouve la fameuse salle qui sert à rien. Pas des trucs dans les pots là, pour de vrai. Donnez-moi des trucs. Qu'est-ce qu'il faut? Pousser ça? Non. Non, cette salle est vraiment full inutile. Et en plus, elle est ultra dangereuse. Oh mon cul. J'ai mal à mon petit cul là. Oh là là, quelle horreur. J'ai plus de petite fée pour me sauver en plus. Please. Please send help. Attends, je retourne dans la salle inutile? Non. Je retourne dans une autre salle. Mais pourquoi tout est affreux? Le pire donjon. Mais putain, donnez-moi des cœurs!
Un cœur, s'il vous plaît. Un. Le gros gant, la moufle du titan. Te voilà maintenant capable de soulever les lourdes pierres noires qu'il était impossible d'ébranler. C'est pas très gentil ça. Ratou. N'empêche que moi, j'ai la moufle du titan. Ah oui, et donc ça, je dois pouvoir le soulever. Allez! Par là, il y a quoi? J'ai trouvé... J'ai trouvé l'endroit où ils font leur partie fine. Mais je peux pas y aller? Si. Oh merci, tu m'as sauvé la vie. Fais-moi sortir. Non, je veux pas mourir. Et pourquoi j'ai pu ouvrir les portes en fait? Je comprends pas, j'avais pas de clé. Il y a intérêt que ça soit pas genre une voleuse et que derrière elle me vole mes trucs. Hein. Ça c'est un classique dans les Zelda, on te vole tes trucs. Mais oui, la moufle du titan. C'est une grosse moufle pour quand t'as un seul très gros doigt. Je veux juste sortir de ce donjon, de ces morts. C'est possible ? Où je suis. Oui, si je vais à gauche et que je descends, c'est bon. I just wanted to stop. Please, let it stop. La carte. Ok, je vise le milieu de la salle. Ah merde, fallait vraiment pas aller par là. Oh, je suis deg. Bah, de toute façon, il faut que j'aille chercher de la vie. Genre, il faut la faire sortir du donjon, mais pas par la sortie. T'es pas du tout le boss du donjon qui essaie de m'enculer, toi, peut-être. Non, non, bien évidemment, bien évidemment. Filet papillon, tout de suite. Je la mets dans un flacon. Elle aussi, je la mets dans un flacon. Et... Petit casse-croûte. Parce que oui, les fées, il les bouffe. Il en fait un casse-croûte. Salut! Quoi? Ah, ouf. J'ai eu peur. Ah, mais du coup, j'ai plus la fille avec moi. Oh, bah, c'est génial. C'est bon que je connais la route, hein. Thank you.
Oh là là. Oh, mais c'est tellement vicieux ça. Alors. Je me suis trompé de route. J'ai une barre de vie de 10 km d'ailleurs, je me rends compte qu'on la voit pas tout à fait. Ouais, mais bon, maintenant, je dois pouvoir y retourner fastoche. C'est par où qu'on descend ? Oh putain, ça reset. Oh là là. Attends, t'as l'impression que t'as une méga grosse barre de vie, mais en fait tu perds ta vie tellement vite que c'est pas vrai quoi. Tintin. Tintin. Par contre, je peux pas bouger quand je trimballe le gros caillou. C'est logique en même temps. Tu me diras, ça se tient. Oh merci, tu m'as sauvé. Offre-moi la sortie du donjon. Allez, mais c'est bon, là, transforme-toi en boss, là, on se frite, là, on se fait ça à la Dark Souls, là, allez, c'est parti. Bon, j'ai compris que j'allais y avoir le droit. Hein. Tu veux parier ou pas que c'est le boss de fin, ça? Ah, il y a une autre sorte. Il y a une autre truc que j'ai pas vu. Tout à gauche. Ah, il y a deux pièces que j'ai pas vu encore. Parce que le boss est supposé être là. Mais il n'est pas là. Là, je peux aller tout à gauche, tout en haut. Et l'autre, elle a pas de problème avec les tapis rouges. Oh putain, fuck. Fuck, 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 fuck. Oh, mais genre, je me fais. L'anussage est total. Tintin, tintin, tintin. Donc là. Tout en haut. Oh, il y a une pièce en effet où j'ai pas été. Aïe! Et j'ai une petite clé comme par hasard. Ah, mais elle me suit. Elle me dit ne va pas par là, mais elle me suit là pour le coup. Ah non, elle me suit pas du tout.
Oh là 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 là. Cette esquive de professionnel. Non, la vie. Je l'aurais pas. Oh mais putain. Bon, attends. Ok, je prends. Bah vas-y toi, passe là où moi je peux pas aller, je te dirai rien. Et on peut pas retirer ça, donc du coup c'est dans un des autres trucs. Ok. Ah qu'est-ce qu'il me dit lui ? Unicorn, c'est moi, Zelda, ne te laisse pas égarer par la magie d'aveugle, le bandit, sois prudent. Oui non mais j'ai compris ! J'ai compris ! La meuf qui est dans... qui te demande de sortir du donjon et quand tu l'amènes à la sortie, elle te fait non pas par là. C'est le boss ! Ne me prends pas pour un gros teubé, hein. Ce donjon peut avoir des fenêtres illuminées alors qu'il est complètement enterré. Ah putain, si, j'ai compris. Parce qu'en fait, le donjon, c'est sous le village. Ah oui, ok, j'ai compris. Il faut faire descendre la lumière. Et genre, on va amener la fille dans la salle, là. Et en fait, comme c'est pas la fille... ça va casser sa magie d'illusion. Il se dandine. Ah ça, ça se casse pas. Ok. Bah, ce niveau, il est pas très bien fait, je trouve. Okay, on va arrêter de gaspiller les bombes. Et on va reprendre... une vraie arme de bonhomme. Le marteau. Non, je déconne. On va prendre l'arc. Il me reste pas une pièce encore à explorer. Si, tout en bas. Je pense que c'est la dernière pièce que j'ai pas explorée. Bah ça tombe bien, on y retourne. Putain, mais j'ai vraiment joué comme le dernier des culs, hein. Ah mais non, fallait que je laisse en plus. Oh là là, quel connard. Le roi des connards. Je te ferai dire déjà que c'est toi qui te dandine. Eh ben ouais. Tintin, tintin, tintin. Allez. Sûrement pour choper un truc de merde en plus, hein. Genre un gros 5 rubis, tu vois. Bâtard! Je savais que c'était une idée de chiotte de venir là. Face à mon arme imparable et mon nombre de 1, ils n'ont rien pu faire. Je le savais que c'était une salle à la con en plus, hein. Je l'ai senti venir. Mais je l'ai senti venir, mais gros comme une maison. Tintin, tintin, tintin.
Gotta go fast. Et là maintenant, je l'emmène là où j'ai mis de la lumière. Oh ben ça alors! Flèche en pleine tête. Allez, soigne-moi, petite fée. Tu as cru que j'étais mort? Mais non, je joue à Sekiro Shadows Die Twice, du coup je ne meurs pas comme ça. Et donc faut vraiment... Quel enfer. First try! First try! Mais bon allez, j'ai pas que ça à foutre, y'a d'autres princesses à sauver là. Yuriko, grâce à toi, je peux m'échapper des griffes des diaboliques monstres, merci. Alors que les sages, c'est le chemin qui mène au monde des ténèbres. Les chevaliers d'Hyrule les protégeaient des attaques des monstres. J'ai ouï dire... Putain, mais personne ne dit ça. Que les chevaliers d'Hyrule furent presque tous décimés dans cette bataille. Tu es peut-être le dernier... Oui, ça fait 30 jeux que je suis le dernier chevalier. Hein. Maillon de cette lignée de chevaliers. Quelle ironie du sort que le dernier de la lignée ait le potentiel pour devenir le héros de la légende. Oui, on dirait presque que ça arrange le scénario. Hein. Tu peux sûrement détruire Ganon. Tu as compris? Non, ça n'a toujours pas de sens. Puis ce seul chemin menait le héros à la Triforce. Ouais, ouais. Allez, ta gueule. Fidèle boomerang. Non, je prends mon grappin. Alors, maintenant nous allons en bas à droite. C'est le village dehors la loi. Inutile d'y venir sans rubis. Je vais casser le cul au village dehors la loi. Il va faire quoi? Et là, c'est la maison des Smithy. Mais elle est toute vide. Et là, il n'y a pas un mec. Ça, c'est un sacré mystère. Il n'y a vraiment rien, là. Je suis déçu. Crois, tu n'as pas changé d'aspect, tu n'es pas un homme ordinaire, n'est-ce pas? J'habitais Cocorico, je me demande ce que mon partenaire y fait sans moi, quoi. J'ai un service à te demander, conduis-moi à mon partenaire, s'il te plaît, crois. Ah, ok. Mais est-ce que je peux passer le portail avec lui?
J'ai retrouvé le petit forgeron! Oh, ça va chier. Que tout le monde dégage, j'ai retrouvé le smithy. Ils vont me faire les pénibaux 3, ça va être trop cool! Pardon. C'est l'émotion. Allez, bonjour, sans revenu, tu as retrouvé mon partenaire. Il a la même voix que les princesses parce que je sais pas faire beaucoup de voix. Ah, mais attends, c'est un nain. Ah, les beaux jours sont revenus. Tu as retrouvé mon partenaire. Nous sommes très heureux maintenant. Reviens nous voir quand tu veux. Cette fois, nous tremperons ton épée à la perfection. Et là, bim, 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 bim. Alors attends, je sors, je re-rentre. Bim, bim. Attends, je vais les aider. Moi aussi, j'ai un marteau. Et toi, bienvenue. Je suis content de te voir. Demande-moi ce que tu veux. Tremper mon épée. Te fera un bon prix. 10 rubis seulement. Tu veux vraiment la tremper? Oui, trempe mon épée. D'accord. Pas de problème. On doit garder ton épée pendant quelques temps. Non! Oh, il met des petites patates! Désolé, on n'a pas fini. Reviens dans un moment. Shit! Attends, ça fait quoi les patates? Ça met des dégâts ou pas? Non, ça met même pas de dégâts. Mais ça, je peux pas le soulever, le tas de cailloux. Bonk. Et là, il y a quoi? On peut toujours rien y faire. Bon, maintenant que j'ai merdé, je vais aller voir ce qu'il faut faire. Parce que là... Là, c'est chaud, là. Ok, tout tempered sword. Alors. Mais combien de temps ça prend? Upgrade sword. Ah là là, je suis désolé, ça me... Je pensais pas que j'allais me retrouver sans l'épée. Alors, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là? Que au sud du village. On aide le mec là derrière les gros cailloux. Allez, on ramène le mec. Vous voyez, je regarde en même temps parce que sinon il n'y a plus de jeu. Hop, on vient au smithy. On soulève le gros caillou. Ouais, ok. Un miroir magique. Ouais, mais le mec a déjà tout en fait. Ok. Mmh, mmh, mmh.
Ok. Bah, il a fait comme moi. Il sort, il re-rentre. On donne l'épée. Pour des rubis. Ok, garde l'épée. Ok, ok, ok. Qu'est-ce qui se passe après? On retourne dans le monde des ténèbres. Ah ok, il fait juste un petit tour. Il revient et c'est fini. Ok. C'est pas très long à faire. Oh là là, il fait un vieux temps dégueulasse dehors, ça souffle, il y a de la neige et tout. Si je retourne les voir maintenant, ça va être bon ou pas? Désolé, on n'a pas fini. Ok. Les arbres, ils ont trop une sale tête, je trouve. Et là, il doit avoir fini. Alors. Ton épée est trempée, tiens. Génial, ton épée est plus puissante. Sans la fabuleuse force qui coule dans tes veines. Et pourquoi mon épée coulerait dans mes veines? Non, je ne retournerai jamais dans ce labyrinthe. Hors de question. Un truc absolument bonk. Je peux pas prendre cette poule. Bon bah je vais prendre celle-là. Ah elle tombe pas elle, ok. Ok. Bon. Retournons dans le monde des ténèbres. Ouais, j'aimerais bien juste choper un cœur. En tout cas, l'épée est stylée là avec sa lame rouge. Ça fait plaisir. Ah ouais, l'upgrade c'est clairement pas de la merde.
Ah, j'étais pas du tout au bon endroit. Oh ? C'est un secret. Ouais, super. Et tu crois que je l'ai pas vu là? La fissure en forme de bite au fond de ta grotte? Ça va être... Je suis très déçu. Abattre les arbres. Non, les arbres, tu peux pas les couper, c'est pas Breath of the Wild. Alors, je sais pas trop ce que tu veux dire par les arbres, mais si c'est genre... Parce qu'il y a plein de trucs qui peuvent correspondre à la description de les arbres dans le jeu. Non, j'achète rien. Mais il n'y a pas de bourse plus grande dans cette dos. Putain, il y a un vieux Goomba de ses morts qui m'a arraché ma barre de vie en plus. Oh, une petite fée! Je la veux, j'en ai besoin. Et viens me voir, petite fée. Viens par là. Non. Pute. Comment est-ce qu'on va là-dedans? Le Ice Palace. Je vais regarder vite fait. Alors. Ça, je m'en fous. C'est de la merde. Ok. On dit pas scrognonieux plutôt que scrognonieux? Merde, mais... Oh, la nage dans le jeu. Je crois que je peux aller genre là, il faut... Attends, dans la flûte. Merde, non, mais je voulais pas aller là.
Ah, il est pas venu me chercher les oiseaux. Cascade des bleus. Par là. Petit bâtard. Étant du bonheur. Ton bonheur a augmenté de 20 rubis au total. Ton bonheur s'élève à 20. Tu es devenu plus heureux d'un degré. À propos, aujourd'hui, tu auras un gros pépin. Non mais, le troll de ce jeu. Je te déteste, jeu. C'est dégueulasse, ça, comme bestiole. J'aime pas. Bleh. Unicorn, les flammes magiques te protégeront de ce donjon de glace. Waouh! Heureusement qu'on me l'a dit. Il y a toujours un niveau chiant dans tous les jeux de plateforme où t'es sur de la glace qui dérape. Ok, j'ai la boussole. C'est vache, c'est vraiment vache. C'est pas par là. Comment des mouvements random peuvent te baiser autant le cul ? Attends, est-ce que je peux? Non.
j'ai laissé une bombe. Les bombes, ça coûte cher, putain. Je m'attends à une sale surprise. Mais... Oh là là. Je sais pas ce qui s'est passé. Allez. Génial. Le jeu a bugué. Hello, crudité cartel. Ah! Quel petit enfoiros celui-là en bas alors? Tiens un pot dans la gueule! Alors attends, on va aller lire ce qu'elle nous dit la plaquette télépathique. Tu ne peux pas détruire le chevalier squelette. Stal fausse avec l'épée seule. Quand il s'écroule, il est vulnérable à une autre arme. Ah! Sortons le bunker. Ah, mais visiblement, il n'est pas vulnérable au bunk. Là, ils font vraiment une Dark Soul quand même, hein, parce que ils te mettent un nouvel ennemi. Ah oui, c'est bien les bombes qu'il aime pas. Ok. Ils te mettent un nouvel ennemi que t'as jamais vu, avec une nouvelle mécanique. Ah non, le niveau de la glace couplé au niveau des piquants. Ah non, ça va, c'est pas de la glace. Oh, à l'aide. Ah, oh, ça change de sens. Est-ce que j'ai une petite clé? Non. Ah, putain. Et merde. Ah non, j'avais la petite fée. Oh, aisé. Ah, c'était bien ça. Par contre, pour le... La couleur du machin là, je sais pas ce qu'il faut mettre. Ah bah a priori ça c'était la bonne couleur. Ok. Eh ben c'était rentable de tuer ces trois pecnos. Reprenons. Non, pas la... Pas la lanterne, reprenons la grosse baguette. Désolé, pingouin. Je m'attends à un truc. What? Ouais, non, mais. Oh, j'ai été du mauvais côté. Mais quand t'arrives par là, t'es obligé de te le prendre dans le cul. Qu'est-ce que c'est que ces histoires à la fin? Je déteste glisser sur de la glace. Et je peux pas descendre. C'est fermé. C'est fermé, please, please, ouvrir. Ok, mais qu'est-ce qu'il faut faire avec ce putain de truc? Je comprends pas. Bon, c'est sûrement pour après. Aïe. Je me suis dit peut-être que la baguette de feu peut faire fondre la glace, mais non.
je vais passer encore un moment délicieux. Oh. Unicorn, n'utilise pas tes pouvoirs magiques si tu ne possèdes pas l'élixir de magie. Maintenant, prépare-toi à partir dans les profondeurs de ce donjon. Vite, mon grappin. En vrai, c'est de l'arnaque le coup de l'électricité, parce que le grappin il est en métal aussi. Hein. Non mais... Ah, n'importe quoi. Oh mais... What the fuck. Attends, j'ai chopé la carte? Non, certainement pas. Sortie des 11. Ok, j'arrive de là. Je sais où je suis. C'était une clé très mal dépensée. Bon, ouais, si ça raccourcit dans le donjon, mais. Hop là, je t'ai vu, toi. Ah, hop, ça. Ouais. Ah non, c'était juste un crack fake. En mode. Je n'existe pas tout à fait. Où est mon marteau? Bonk. Oh, non. Il saute. J'étais tellement pas là. Il aime pas les bombes. Hein. Ah mais j'avais pas la carte, c'est pour ça que j'ai pas vu le truc. Je peux pas aller par là. Non. Ah non mais... Bon ça va. Je refuse. Juste de voir que mon mini-feed était pété, que se passe-t-il? Pourquoi il est... Qu'est-ce qui se passe au canet? Tout est pété. Que se passe-t-il? Ok, mini feed. Tout est... Pourquoi tout est-il si pété? Bon, c'est pas très grave. Ces pingouins de l'enfer. J'arrive pas à rentrer. Tout est pété. Non, j'ai des trucs dans mon Streamlabs qui sont pétés, qui s'affichent pas comme il faut.
Mais bon, de toute façon, je vais devoir arrêter dans pas longtemps. Mais je crois que c'est parce que j'avais mon... J'avais mon internet qui était KO quand j'ai lancé le truc. Oh là là. Mon cauchemar, le niveau de la glace avec les boules de feu. Non, le roi des cons. J'étais pas devant. Il va y avoir des cœurs là-dedans, oui. Allez, non mais... Oh, bon. Je pense que ça va marquer un bon moment pour s'arrêter. Parce que c'est l'heure de retourner travailler, malheureusement. Putain, ce donjon est tellement long. Bref, merci d'avoir suivi. Et puis, à la prochaine. Salut !